Salut, salut! Bienvenue! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Another Homepage. Je suis toujours Nils. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que cette fois-ci, on n'aura pas à refaire de clap. Merci pour ton follow, Kilik. Salut, Little Black. Salut, Gizmo. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour une nouvelle reprise. Ça semble auquel des caches. Ah, génial, ouais! Salut Emmanuel, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un bon week-end, toi aussi. Moi, pendant ce temps, je vais en profiter pour essayer de remettre la main sur le petit schéma de la dernière fois. Il est passé où? J'espère que je ne l'ai pas perdu. Tu as utilisé Docker pour faire tourner ZNC, c'est la fin des haricots. ah oui, j'avais la base. Non, c'est pas celui-là que je voulais. Ah, mais du coup, il me l'a ouvert où? Ah, fichtre, fichtre. Ah, il est là. Ah, VivIRC, ouais. Hop là. Très bien. Bien, 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 bien. Alors, ça y est, j'ai remis la main sur le schéma de jeudi. Je suis content. Ah bah écoute, Chavenet, ça va très bien, merci. Je te pose pas la question, visiblement. Ah. Bien, 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 bien. On va repartir sur des sujets HomeLab. Je vous cache pas que ça me manquait un peu. Salut K35, j'espère que ça va bien, j'espère que tu as passé un bon week-end. Alors, vous allez rire, j'étais à la bourre cette fois-ci parce que j'avais oublié de rebrancher le PC après du ménage. Voilà. Et en plus, OBS a fait des siennes, encore. Un chouille de chouille fort lasik. Ah, bah écoute, on va baisser un petit peu. Hop. Hop là. Là, c'est mieux, Gizmo. Remarque, je vais peut-être baisser au niveau de spot. Ça sera peut-être mieux. Hop, voilà. Ok. Parfait. Bien, bien, bien. On se retrouve donc enfin pour le retour du Home Lab. Salut à toi, Haribo. Merci pour la synchronisation audio-vidéo, pour la confirmation. Et Chavenet, Xen ou Proxmox. Ah, j'ai loupé un truc. Ah non, 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 ce sera ni l'un ni l'autre. On reste sur du bon vieux libvir KVM. Peut-être qu'un jour je ferai autre chose, mais dans l'immédiat. En vrai, j'ai un Proxmox qui tourne quelque part. Mais dans l'immédiat, je le laisse comme ça. Je sais pas trop. J'arrive pas à expliquer pourquoi. Je sais que si j'avais du entre guillemets du Proxmox en prod, je pense que dans l'absolu ça me poserait pas de problème. Mais je sais pas. J'ai du mal à l'expliquer. Il y a voilà. Bon, c'est comme d'habitude. Hein, on va faire. C'est juste que j'ai. C'est mes petites habitudes en fait, je pense. C'est purement une question d'habitude. Ah non, 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 pas, je... non, non, je donne pas d'argent à VMware. En tout cas, pas à titre perso. Hop. Et on va, de toute façon, partir top, tout de suite là-dessus, ici. De toute façon, hein, voilà, c'est... J'ai installé une Fedora. J'ai installé NeoFetch ou pas là-dessus? Non, j'ai pas installé NeoFetch. Bon. J'ai fait une install propre assez minimale. Pour être honnête, et j'espère la garder propre aussi longtemps que j'avais fait la précédente.
La différence principale avec mon installation précédente, c'est que je suis en UEFI. Non, alors non. Encore que, si ce VMware me sponsorisait, est-ce que j'accepterais? Ça dépendrait de la sponsor, hein, honnêtement. Alors, je ne suis pas en train de faire un appel du pied à VMware pour avoir du sponsor, parce que, bon, de toute façon, je pense pas que... Je pense pas avoir pour l'instant une communauté assez grande pour aller réclamer des sponsors. Ce qui me laisse quand même une certaine liberté de parole, hein. C'est quand même assez pratique de ce côté-là. Bien, alors, je vous remets le schéma de la dernière fois. L'idée, c'est que on va essayer de faire en sorte d'avoir cette machine-là qui soit installée. L'idée, en fait, je vais zoomer un peu parce que je pense que c'est pas forcément très visible. Hop, voilà, on se met ici. L'idée, c'est qu'en fait, toute cette partie-là, tiens d'ailleurs, je vais faire un. Hop. Tout ça. Tac. Oui, mais non, mais le carré, il est. Oh là là. Hop. On va par là. Ensuite, voilà, le carré recouvre tout et on te met à l'arrière. Voilà. Et on peut peut-être même un peu. Peut-être même un petit peu de jaune. Voilà. Comme ça, tout ressort. Et en fait, tout ça, c'est dans... c'est des machines virtuelles. Et c'est dans la machine Apart Home Lab. Hop. Est-ce que j'ai moyen de faire un petit... Apart-Home Lab. Hop. Avec un seul B, ce sera pas mal. Mais j'aurais bien aimé que ce truc-là soit non pas à l'intérieur. Donc, hop. On garde ça, texte, je veux qu'il soit, on va faire bottom left, tac, voilà, apart-homelab, et on va le glisser un peu plus sur la droite, non, il faut que je mette hop, droite, non, bah, tac, voilà, comme ça, on voit que tout ça, c'est dans la machine Apart Home Lab. Donc l'idée, c'est donc que j'ai une VM router qui soit client VPN et que ça aille vers un VPS qui se trouve quelque part sur Internet. Alors pour le moment, ce VPS n'existe pas. Donc on va commencer par popper la VM et essayer de faire en sorte que la VM, d'ailleurs il faudra avant de popper la VM sans doute créer le sous-réseau virtuel. D'ailleurs, on va le mettre autrement le sous-réseau virtuel. On va l'appeler. J'avais fait quoi dans mon home lab précédent? J'avais pris du réseau en 10. Peut-être pas bête ça, d'aller taper dans du réseau en 10. Allez, on va faire ça. Oh, ou alors je reste dans du 192-168. Je sais pas moi. Je suis pas inspiré là sur les adresses de réseau. Un truc qui est de préférence pas souvent utilisé. Qu'est-ce que je peux 10.42.42.0 Parce qu'en fait, le truc, c'est que le 122.0, de toute façon, il est créé par le réseau par défaut. Les 122 et suivants sont utilisés en défaut par libvirt, en particulier en configuration desktop. Donc, j'ai pas envie d'empiéter dessus, entre guillemets. J'ai pas envie d'être dessus. Et puis non, les 42, je serais fichu de les utiliser. On va faire 10, 99, 99. Voilà, hop. Allez, emballer, c'est pesé. Donc, l'idée, c'est qu'on va créer, dans un premier temps, un sous-réseau virtuel, en 10, 99, 99.0/24. Je pense que ça va amplement suffire.
puisqu'après rien ne m'empêche moi derrière de rajouter des routeurs et de faire d'autres subnets derrière. Cette machine, donc, elle va faire du NAT, elle va faire du VPN vers la machine, vers un VPS qui sera utilisé à un moment. Et on fera peut-être une ou deux redirections de port si besoin. Mais surtout, l'idée, c'est que le trafic par défaut de cette machine va partir dans le VPN, en fait. Dans un premier temps, ça partira de façon classique, en mode NAT. Mais ensuite, ça partira, une fois que le VPN sera monté, ça partira directement dans le VPN. L'idée, c'est que voilà, je veux pouvoir installer. Tiens, d'ailleurs, j'ai remis 2B à bidouille, c'était pas très. Hop là, voilà. L'idée, c'est que voilà, toutes les machines que je vais pouvoir popper ensuite là-dessous, dans ce sous-réseau, eh ben, elles partiront sur Internet via le VPN. Et ça veut dire que potentiellement, avec le VPS qui est de l'autre côté, je peux faire des ouvertures de flux au niveau du VPS. Et je peux ouvrir du trafic sur les services que je mettrai en place. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir une sorte d'interaction entre vous et moi pendant un live. Je pourrais très bien mettre en place un service réseau en direct. Pourquoi pas une appli web ou un autre service. Et vous pourrez essayer de vous y connecter. L'idée aussi, c'est que j'envisage de cette façon que si par exemple je fais certains essais qui montrent l'adresse IP publique, ben vous verrez pas l'adresse IP publique de ma box normalement. Donc ça, c'est aussi les choses que je souhaite mettre en place. Qu'est-ce qui t'arrive à souris? Hop là. On a vu que la dernière fois que a priori moi j'étais bien tenté par installer un VaiOS, qui est une distrib Linux dédié routage firewall, mais a priori en termes d'automatisation, si ça s'automatise bien avec de l'Ansible, popper une VM avec Terraform et lui donner à manger une configuration initiale via Cloud Init, ça réclame de faire une image custom. Dans l'immédiat, on va pas forcément le faire. Je pense qu'on va partir sur comme on en avait parlé la fois dernière, on va partir probablement sur une distribution de type Alpine Linux pour avoir un truc léger. Je suis cependant pas tout à fait sûr que j'ai du Cloud Init de base dans Alpine Linux, dans les images disponibles. Donc on va pouvoir voir. Je pourrais envisager en plan B, soit d'installer un Linux classique, soit effectivement, Chavenay, d'utiliser un BSD. Dans ce cas-là, ce serait très probablement NetBSD. À partir du moment où j'ai un Cloud Init fonctionnel. Et je me demande si c'est le cas sur... les trois BSD classiques que sont FreeBSD, NetBSD et OpenBSD. Mais justement, ça va être l'occasion d'essayer. Idéalement, ce que j'aimerais, c'est que le code de ce Home Lab soit dispo de façon publique sur GitHub, je pense. Dans l'immédiat, je n'ai pas encore créé le repo. Voyons voir ça. Qu'est-ce que tu nous montres de beau, Chavenay? BSD Router Project. Ok. Basé sur FreeBSD, F1, Routing et Bird. Ok. Ça pourra être un plan B, effectivement. À voir ensuite comment. Est-ce que ça se user guide? Example, lab, benchmark, fac. Si je vais chercher et que je mets Cloud Init. Cloud Init. Est-ce que. Non, il n'y a rien dessus. Et je dois connaître la personne qui est derrière. Ah. Peut-être pas, c'est pas garanti. C'est pas garanti. Très bien. On pourra essayer ça à l'occasion. Pas forcément dans le cadre de ce... de cette machine là, mais justement rien ne m'empêche de tester plein de trucs derrière.
Ah, Olivier Cochard-Labbé, je crois pas que je le connaisse personnellement. En tout cas, je me rappelle. Je l'ai peut-être rencontré, encore, c'est pas de garantie. C'est pas garanti. Et si c'est le cas, je l'ai pas. Si c'est le cas, je l'ai pas. J'ai la mémoire qui flanche, ça peut arriver. Je suis loin d'être. Comment dire? D'être parfait au niveau mémoire. Il m'arrive d'être un poisson rouge. Salut à toi, Cybermem. Avant de repartir, tu t'occupes. Ah oui. Ah bah, on va essayer, ouais. On va essayer. Ah bah, écoute, si Natacha le connaît. Hop. Mais oui, de mémoire, Olivier Cochard-Labbé a fait pas mal de choses. Ça, c'est sûr. Il a un historique de contribution long comme le bras. bien. Alors, dans l'immédiat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici. GitHub, paf. J'ai déjà normalement un premier projet, la base code, qui contient les trucs historiques. Je suis en train de me poser la question, est-ce que je pars sur ce repo-là, quitte à créer une nouvelle branche, ou est-ce que je crée un nouveau repo? Qu'on pourrait appeler la base code NG. Merci beaucoup Xavier pour le sub tier 1, merci beaucoup. Tu cumules 26 mois d'abonnement, mais dis donc, c'est fantastique. Bonne année à toi aussi. C'est très gentil de passer nous voir. Merci beaucoup pour ton soutien depuis, punaise, plus de 2 ans déjà. C'est fantastique, merci beaucoup. Merci, merci, merci mille fois. Ça fait plaisir de voir des gens qui depuis tout ce temps, continuent de me suivre. Vous en faites d'ailleurs quasiment tous partie, je crois, dans la liste des viewers ce soir. Et je veux que vous sachiez que c'est fortement apprécié. Je suis en train de me demander est-ce qu'on refait pas un nouveau repo. Je pense que ce serait le plus simple. Ce serait le plus simple. Ça irait sans doute plus vite. Compte que je ne suis pas logué sur GitHub. C'est une offre free ton GitHub perso. Oui, tout à fait, Gizmo. Alors, je donne un petit instant pendant que je me log sur GitHub. Donc 500 mégas pour push que des lignes, c'est large. Ouais, grave, grave large. Hop, la 2FA qui se déclenche, forcément. Alors, je sais que vous ne voyez rien dans l'immédiat, mais c'est normal. J'ai fait volontairement un login ailleurs. Voilà. Alors, est-ce que je suis logué? Ouais. Relancer la commande de repo list. Ok, ça c'est cool. Ça c'est cool. Je vais le tenter en ligne de commande, tiens, de créer le nouveau repo. GH repo help. Est-ce que je peux faire un create? Ouais, je peux faire un create. Hop, create. J'ai dit create moins moins help. Hop. Alors, GH repo create my project, moins moins public, moins moins clone. C'est bien ça. Alors, comment on va l'appeler? On l'appelle la base code NG? Je
sais pas si vous avez des idées, vous, de nom de repo. Light Project, paf, paf, paf. Mais en gros, ça veut dire qu'on peut pas, on peut pas avoir plus de 500 mégas dans notre projet GitHub. Je connaissais pas la limite, pour être honnête. Mais honnêtement, enfin, je pense pas avoir de problème de place dans l'immédiat sur mes repos perso. Ouais, on va faire ça, allez, la base code NG. A priori, personne n'est inspiré non plus. Donc, puis on verra, en pire, on changera le nom du repo, c'est pas dramatique. Youhou, tu réponds Ah bah, d'accord. Hop, voilà. Created Repository. Ok, cool. Et il l'a créé. Et pour l'instant, c'est vide. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier quelques bêtises du précédent projet. Déjà, la licence. Hop. Le README, on va le toucher un petit peu quand même. Voilà. Previous iteration. Hop, et voilà, tac. Ce qu'on peut faire, c'est récupérer. Je pense que de toute façon, ça va être un peu le même topo. Hein. On va faire un petit mkdir Ansible, Terraform et Cloud Init. La doc, on verra plus tard. Terraform. Ah oui, la base code, Terraform. On va récupérer, on va faire un petit. Alors, on va faire un étoile.tf, même si, à mon avis, je vais pouvoir en dégager une bonne partie. Et on va faire .tfvar. Tfvars. J'ai oublié de prendre le gitignore. Voilà. Et pour le cloud init, on verra à ce moment-là. Donc, ce qu'on peut peut-être commencer par faire, juste au cas où, est-ce que. Qu'est-ce que. Ok. Alors. Merci beaucoup. Comment on prononce Seleki ou Kleki? Je sais pas trop. Merci beaucoup pour le follow. C'est très gentil. Si je fais un petit git status. Tiens, la branche s'appelle master, pas main. Étonnant. Étonnant. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un petit git add du point gitignore. De la licence du README, déjà dans un premier temps. On va commiter ça et on va dire, on va appeler ça first commit repo initialization. Allez. Tac.
Et bien entendu, il se trouve que je signe mes commits. Old school, le master, ça doit dater de plus ou moins 6 ans. une fois que ça, c'est fait. Alors, juste au cas où, je sais plus si on peut faire comme ça. Non, pas... Ah. C'est pas... Hop. Et dans mon git config, j'ai quelques alias. Notamment git st pour git status. Git commit qui est en CI. Checkout qui est en CO. Le switch qui est en SW. Le PS qui est en pull. PS qui est en push, pardon. PL qui me fait pull rebase. Et le petit git lg que j'utilise aussi régulièrement. Juste pour un petit rappel des alias git que j'utilise régulièrement. Si jamais il y a des commandes ou des alias que je tape et qui vous paraissent abscons, n'hésitez pas à me demander. Où en étions-nous? Donc, j'ai... ah oui, mon contenu Terraform. Déjà, j'ai dit tout ce qui est ISP quelque chose, vu que c'est plus le sujet... On peut faire ça. Voilà. J'aurais pu faire un RM-VF, ça aurait été plus vite. Voilà. Ensuite, main.tf, il y a quoi dedans? Ça, c'est parfait. C'est-à-dire que on va utiliser en fait le provider des MacVicar LibVirt pour aller se connecter à notre home lab. Pour aller déployer nos trucs via Terraform. En termes de network. Alors là, le truc était fait en mode... Allez, on va pouvoir dégager tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler... on va appeler HomeLabNet. HomeLabMain, plutôt. Hop. Et on va pas mettre de subnet dedans comme ça, je pense. Quoique, éventuellement, je dirais bien à LibVirt de gérer le DHCP et juste le DHCP, de façon à ne pas me prendre la tête avec la config d'un serveur DHCP. Du côté du Linux, je pense que ce sera plus simple. Nous allons ramener ça ici. Des MacVicar / LibVirt Terraform. On va aller chercher la doc. Voilà. Alors. Oui, mais moi je voulais la. Bon, remarque. Voilà. Issu pull request project, il n'y a pas un wiki quelque part ou un peut-être dans le registry, non, documentation en fait, je suis allé regarder, hein. Hop. Alors network, fort bien, name, mode, Open Bridge. List of subnet. D'accord, donc je peux faire un addresses en fait. Et que je n'ai pas mis, on dirait. Donc, je disais qu'on allait faire 10.99.99. Hein. Bah alors que si t'arrives, pourquoi tu m'enlèves pas le 3? Voilà. DHCP, bah on va l'activer. Voilà. Et... alors, il met plus de DHCP.
Il l'a appelé autrement? Il l'a appelé DNS Mask? Non. Ah, alors, adresse optionnelle, tac tac, ok. Cet argument peut aussi être utilisé pour définir les adresses sur le real host, ok. Si DHCP est à true, l'adresse devrait aussi, ok. Mode, ça on l'a fait, on a utilisé mode none. Donc comme ça, ce sera vraiment étanche tant que le routeur n'est pas actif. Alors, DHCP, optionnel, you need to use it, location address is variable, ça c'est fait, ok. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a moyen de lui limiter le nombre de d'adresses IP. Option name, adresse. J'aurais voulu en fait lui dire la plage du DHCP. J'avais pas dit. Alors au début je pensais à 10.42.42 je crois. Et je crois que j'ai changé d'avis ensuite. Ouais, j'ai mis 10.99.99. Donc c'est bon. Parce que je me suis dit que le 10.42.42, j'allais sans doute vouloir le réutiliser plus tard. Pas de soucis. Bon, on va commencer comme ça, on verra bien ce que ça donne. Je rajouterai bien l'auto-start éventuellement. Voilà. C'était quoi l'autre count var list? Ah oui, parce que oui, on sait jamais si je mets plusieurs réseaux. Ouais, mais en fait, je m'en fiche, j'en mets qu'un seul comme ça. Et si je dois en définir d'autres après, donc lui, on peut l'appeler HomeLab Main. Voilà. Et en fait, on va faire sauter ce truc-là. Et on va enlever le count et le name. Et ben, il va s'appeler HomeLab Main, en fait. Pof. Et domain, le domain, est-ce que c'est optionnel? Le domaine utilisé par le serveur DNS dans ce réseau. Ah ouais, faudra peut-être le mettre. Et ben, on va l'appeler. Homelab.home.arpa. Hop. Ça m'a l'air pas mal. Remarque, ça risque de faire pas mal de points. Ouais, non. Allez hop. Homelab.home.arpa. On va faire un sous-domaine de home.arpa. Très bien. On va peut-être commencer avec ça parce que je pense que déjà dans les variables, déjà image pool, boot pool, Fedora image. Oui, bah ça, à mon avis, déjà l'image Fedora, dans l'immédiat, on n'en a pas besoin. L'image VIOS, on n'en a pas besoin non plus. Libvirtual et l'autre c'est terraform.tvars. Je crois que j'ai pas mis le truc de stockage. La base code, terraform, storage. Non, j'avais pas un storage ou un disque. J'avais un network. Ah, volume. Hop, volume. Ah, bah si, je l'avais déjà. Ok. Volume, Fedora image, iOS image. Ah d'accord, ok. Bon, dans l'immédiat, là, on va pouvoir lui dire. Alors,
dire à part Tom Lab. Salut The Vengeur, et ben bonne année à toi aussi, merci, et bonne santé à toi aussi, tu passes en coupe-vent, c'est le rush du vendredi soir. On est dimanche, The Vengeur. J'espère que tu n'as pas fait deux nuits blanches d'affilée, mon pauvre. Hop. À part, tirer Home Lab. Je crois que j'avais fait quelques essais et je crois qu'il y avait déjà une blague. J'avais déjà une blague. Eh oui, c'est déjà dimanche, Cybermem. Surtout que je... Oui, c'est ce que je dis du dimanche soir. Je suis exténué à cause des... Pas de soucis, The Vengeur. Je compatis. Alors... Alors, en gros, j'ai eu une blague pour essayer sur une autre. J'ai essayé sur une autre machine, KVM Libvirt, et en gros la blague, je l'ai fait comme ça. Alors, de fait, faut que je mette l'IP, je pense. Qui est donc actuellement 6.34, et en fait il faut lui spécifier la clé. Alors si, mais je reprends from scratch The Vengeur. Hop. Je reprends from scratch avec un nouveau une nouvelle idée, un nouveau projet. Tiens, d'ailleurs je te montre le schéma viteuf. Bon, en gros, dans l'immédiat, l'idée, c'est d'avoir une première machine ici qui fera office de routeur et derrière laquelle on mettra absolument tous les trucs que je vais vouloir tester plus tard. Et cette machine va être en fait reliée à un VPN avec un VPS sur Internet et tout le trafic sortant partira dans le VPN. Et il y aura une machine Payol aussi pour filtrer un peu au niveau DNS pour pas qu'il y ait plein de trucs qui partent. Vu que j'ai réinstallé la machine, j'en profite, je repars sur des bases saines. Après, on verra, on pourra peut-être réutiliser ce qui avait été fait avant, mais c'était pas forcément l'idée. Ouais, propre. Bon, après, c'était pas non plus crado ce que j'avais fait, mais bon. Mais oui, voilà, j'avais eu la blague où en fait, il fallait que je spécifie le fichier de clé côté de l'URI libvirt pour Terraform. Ce que je vais peut-être faire, c'est que pour l'instant, ça, on s'en fiche. On va faire un RM du volume, parce que de toute façon, tout ce que je veux, c'est juste hop, dans les médias. Qu'est-ce que j'ai dans le main? J'ai ça dans le network, pour le moment. Tiens, d'ailleurs, on va faire MV de networks vers network, parce que voilà. Hein. Oups. Networks dans network. Avec sans S, voilà. Voilà. Les variables dans l'immédiat. Ça. Hop, on s'en fiche. De toute façon, j'ai rien de plus. Donc, si je tente un petit Terraform. Ah, j'ai pas installé Terraform? Non, je n'ai pas installé Terraform. J'ai le repo HashiCorp. Ok, allez, c'est parti. Alors, si vous vous posez la question, ça doit être parce que... Ah oui, tiens, mais...
je pensais avoir mis Terraform dans mon playbook Ansible de bootstrap de station de travail. Alors, peut-être que je regarde ça. Bien, maintenant, allons-y. Terraform init. Ok, l'init, c'est bien passé, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, Terraform plan. Et il a déjà commencé par ne pas réussir à se, pas réussir à se connecter. Ok. T'as utilisé quelle clé ? Tu vas utiliser la IDRSA. Bah, on va utiliser la IDRSA. Hein. À moins que... Est-ce que j'ai une clé ED... j'ai une ED25519. Bon, et bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un SSH... SSH copy ID de moins I... attends. J'ai un doute. Moins I identity file. Ok. Donc, moins i.ssh id.ed25519 vers apart-homelab. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Alors, je vérifie pas parce que, bon, machine locale, tout ça, tout ça. Et si je retente maintenant un Terraform plan, toujours pas. Est-ce que par hasard... Oh, nils.ssh id ed25. Ça, je peux vous montrer normalement. Voilà. Donc, on a une machine apart home lab qui est bien en 6.34 et j'ai bien ID ED25519. Si je reviens sur ma machine, qu'est-ce que j'ai comme... je vais peut-être d'abord le vérifier en... Je viens de penser à un truc débile, c'est si jamais il m'a mis la clé. Bah en fait, il ne. Il me l'a pas ajouté, tiens. Il me l'a pas ajouté. Ah si, il me l'a ajouté pourtant. Ici, il me l'a ajouté. Je peux vous montrer. Si je fais un cat du point SSH authorized keys, on voit bien. Alors, c'est, je sais que les noms sont un peu débiles, mais voilà, c'est celle-ci. Et en fait, si je reviens ici et que je vous fais un petit cat du. Hop, de la clé publique ici, on voit bien que c'est la. Ah non, c'est pas la même. Ah oui, je me suis trompé de bécane. Donc, il me l'a pas mis. Bah, on va la copier-coller, hein, on va le faire ça à la main. Alors pourquoi est-ce que SSH copy ID n'a rien fait? C'est peut-être parce qu'il a pu se connecter sans souci. Notez que j'aurais pu utiliser ma clé SSH RSA. Mais pour le principe, d'ailleurs il faudra que je la dégage. Mais pour le principe, je voudrais bien me connecter en SSH en courbe elliptique. Maintenant toujours pas. Euh...
qu'est-ce qui m'était arrivé l'autre fois? QMU plus SSH, ok. Ah mais là en fait c'est pas tant Terraform, c'est plutôt comment dire, le provider pour pouvoir se connecter à libvirt. Parce qu'on est d'accord que si je fais un SSH nils at tac, ça passe. Si je fais un moins V, est-ce qu'il utilise la clé RSA encore? Il s'est connecté. Il a l'air de s'être connecté avec la clé RSA. C'est bizarre, pourtant je lui ai... Ah oui, mais remarque, je lui dis en 6.34. Ah oui, c'est peut-être parce que... Bah non, pourtant je... Alors, supposons qu'on fasse un moins i tilde slash point SSH id ED25519. Il se connecte quand même. Et il a l'air d'avoir utilisé la clé RSA encore. Non, remarque, il en propose. Qu'est-ce qui me... Ok, soyons fous. Allez, on va lui dire. On va lui dire, ok, tu veux la clé RSA, on va te filer la clé RSA. Ok, allez. Soyons fous. Non, toujours pas. SSH rejeté, connect failed. De toute façon, j'arrive à me coacher. Je suis connecté sur la machine Apart Home Lab. Si le fail to ban que j'ai malencontreusement installé, bon allez, on va le shot au cas où, il n'y a pas de raison. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est faire un petit sudo dmsg, non pas dmsg, var log, qu'est-ce que je peux regarder, si je fais un var log secure, libvirt d et up. Je pense que oui, on peut le vérifier avec un petit système CTL. Remarque, voire même en fait, tu fais un vir sh list là, moins all net-list. Là, on est bon. Et alors, en plus, la blague, c'est que hop, ici sur mon interface graphique, j'ai bien, je suis bien sur la machine Apart Home Lab. Hein. Détail. Overview, Apart Home Lab. Je peux peut-être essayer comme ça. Plutôt clipper. Mais je crois que clipper ça passait pas. Enfin, le nom passait pas, je crois. Parce qu'il va pas, il va pas chercher dans la config SSH le provider Terraform en fait. IO timeout. Voilà. Il essaye de, de faire un lookup à part Home Lab. Et si jamais, juste pour la blague, on fait un petit hop et qu'on lui dit 192.168.6.30.34 hop, apart-homelab. Key is unknown. Ah bah là on commence à avoir des informations. No host. Key is unknown. Non bah attends. Là ça devient chelou. Hop.
On est sur quelle version du provider actuellement? 076. Ok. C'était quoi? C'était quelle version? Non, on était sur une vieille version du provider. Nonos était corrompu. Oh bah écoute, s'il y a que ça pour te faire plaisir, moi je veux bien faire le ménage de mon Nonos. Hein. Ok, ça commence à devenir vraiment comique. Je pensais pas que je bloquerais là-dessus. Allez. Et si je le tente comme ça, il me fait la même. Il me fait un connect failed. Pourtant, on est d'accord que je suis un SSH 192 suite 6. 34. Ouais, c'est bon, je suis connecté, c'est la même machine. Attends, ça c'est pas le même. Alors là, il y a quelqu'un qui fait carrément un. Qui vient remettre. Qui vient balancer le port en local avec un petit netcat. Pourtant, il y a eu du code qui a été fait. Quelqu'un qui s'est carrément fait un script. Un peu, Oh bah tiens! Alors, idée débile, tu peux tenter un SSH qui scanne dans le temps de l'attard un bon nonos. Ça se tente.
Ok. Alors là, vraiment. Juste au cas où, on sait jamais, hein, sur un malentendu. Non plus. Et si je mets l'IP? Non plus. Non plus. Ça te rappelle un vieux problème que tu as eu sur des Debian dans SSH où tu avais dû forcer avec moins O, je ne sais plus quoi, pour indiquer une clé. Ah! Alors là, c'est quand même bizarre parce que. Ah si, ça y est, ça me revient! Ah si, ça y est, ça me revient! La réponse, on l'a vu passer. On l'a vu passer. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je savais bien que j'avais oublié un truc dans ce que j'avais fait l'autre jour. Voilà. Ensuite. Alors. Tiens, on va essayer le apart home lab, on va voir ce que ça donne. Oui, remarque, ça va passer vu que j'ai le home lab. Donc non, on va le laisser comme ça. Voilà, là j'ai un plan. Ok, hop, allez, ça dégage, ça dégage. Voilà, alors, explication. Pour une raison qui. Alors que j'ai pas forcément pris la peine de comprendre. En gros, il faut que j'autorise. Faut que j'autorise le TCP forwarding. Je suppose que c'est pour que le provider puisse communiquer avec libvirt une fois que la connexion SSH est faite. Je suppose que ça doit être justement pour forwarder une connexion TCP avec libvirt. Mais voilà. Ce que je pense que je vais faire, c'est que de façon. Enfin, pour ma conf, comme vous aurez remarqué donc que ma conf SSH, elle est modifiée via Ansible. Je pense que ce que je vais faire dans mon truc Ansible perso, c'est dire quand tu es l'utilisateur Nils,
tu as droit à l'OTCP forwarding. Je vais faire un match user NILS et je vais mettre allo TCP forwarding AES. Donc là, on peut créer notre réseau. Ça fait 1 heure qu'on stream. Tout va bien. Ça va bien se passer. On y arrive, c'est le principal. Donc, si je me fais un petit apply. Yes. Est-ce qu'il va me faire des chocs à pic? Il a créé le Binu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter un œil. C'est passé où, Virt Manager? T'es là. Le truc en graphique sur mon PC qui se connecte donc à la machine Apart Home Lab. Si je regarde Virtual Networks, j'ai un Home Lab Main. Alors, je mets volontiers qu'il est un peu petit. Je clique dessus. On a un device VirBR1 qui a été créé. Le truc est actif. Il démarre au boot. Le domaine est bien homelab.home.arpa. Et le network est bien en 10.99.99.0. Le range. Ah, il a dû se créer une IP du coup dans le. Il a dû se créer une IP. Bah, c'est pas grave, il s'est créé une IP, mieux que je vous dise. La gateway, on la mettra en 2, et puis voilà, c'est tout. Par contre, histoire que vous voyez quelque chose, parce que quand même, hein, si je vais sur ma machine, hop, apart home lab, ok? Et que je fais un sudo virsh net-list. Là maintenant, en plus du default, on a un home lab main. Et si je vous fais un net dump du réseau default. Ah, c'est dump XML, pardon. Hop, dump XML. Vous pouvez voir que là, on a le 122, le réseau en 122. Forward mode NAT. Et si je reprends ça et que je fais home lab main, on a un truc avec pas de forward, pas de NAT. Il y a bien. Alors, on n'a pas de DNS, mais on a un. Bon, il y a un domain name, bon, ça a priori c'était obligatoire. Mais on a, voilà, on a une IP, IP family et on a un range DHCP. Et je pense que, au hasard, moi, où strict host key. Checking ask. Ah oui, d'accord, par rapport à Saver même. Ok. Si je fais un petit IP-4 moins OAS, et ben on peut voir qu'effectivement, vu qu'il tient, il tient le DHCP, le serveur physique, il a donc pris l'IP en 10.99.99.1. Ok. Donc déjà, cette première étape, elle est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est que là, a priori, mon VF, hop, on va faire étoile tilde, JD, tilde, voilà. Donc là, on est déjà pas mal. Je fais un petit git status. Si je fais un git add Terraform. Git status. Il m'a mis main.tf, network.tf et variables.tf. Il ne m'a pas mis le terraform.tf vars, il ne m'a pas mis le terraform.tf state. Parce que je lui ai filé un petit git ignore qui est quand même plutôt complet, sur lequel je lui ai dit normalement, voilà, les tf state, tu touches pas, et les tf var, tu touches pas. Je ferai sans doute un fichier example, un de ces quatre, dans le repo. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux commiter ça déjà. Et on va dire Terraform, hop, create first network. Hop. Est-ce que je vais sauver ça dans Password Manager, moi, parce que je commence un peu à. Tac. Au moins, ça c'est fait. Oui, fais-le. Oui, vas-y.
Ok. Tac. Donc là, normalement, à partir de maintenant, si vous allez, si je fais un petit gh repo view-w, hop, il me l'a ouvert dans mon autre navigateur, mais on va aller faire, hop, ici, et vous pouvez voir, on va se rajouter ça ici, voilà, que on a nos premiers commits, et on a le Terraform. Donc si jamais vous voulez réutiliser ce code, vous pouvez. Il vous suffit juste de fournir un fichier terraform.tfvars dans le répertoire Terraform et vous y mettez globalement le image pool. Alors le image pool et le boot pool, je pense que vous n'avez même pas forcément besoin parce que normalement il y a des trucs par défaut. Voilà, c'est ça. Et en plus les variables ne servent même pas, donc j'aurais pu les enlever. Et il vous faudra fournir une variable d'URL valide pour la machine à laquelle vous allez vouloir vous connecter. Ça peut être la machine locale. D'ailleurs, la valeur par défaut, là, le qmu://system, c'est la machine locale. Je pourrais lancer ça et avoir un subnet créé sur ma machine Linux locale. Un subnet virtuel. Dans libvirt. Maintenant que on a notre subnet virtuel, notre sous-réseau virtuel, on va peut-être s'y mettre et on va peut-être aller chercher une image de VM. Pine Linux. Si je vais regarder dans les downloads, je peux récupérer des images cloud. Ça, c'est cool. Cloud provider, ça va être du no cloud, voilà. X86 64 BIOS Tiny. Ah, ils ont une image cloud init, c'est cool ça. C'est très cool. On va pouvoir faire joujou. Ah, on peut même les démarrer en UEFI. C'est stylé ça. C'est stylé. Après, est-ce qu'il y a un réel intérêt d'utiliser de l'UEFI sur des VM? J'ai envie de dire à part pour Windows 11. non, vraiment, pour le coup, je vais reposer la question vraiment de façon sérieuse. Je me demande quel peut être l'intérêt de démarrer les VM en UEFI. En fait, les seuls cas de figure qui m'ont été sur lesquels le Secure Boot pour pas avoir de risque de compromission. Le Secure Boot. Ah oui, effectivement. Ah oui, du coup. Ouais, enfin, ouais, mais est-ce que dans le cas de, enfin, ça va dépendre de l'OS. Typiquement, comme, enfin, je le disais sur le ton de la plaisanterie, mais effectivement, Windows 11 exige que Secure Boot soit activé, ce qui en soi je comprends le motif. C'est quand tu démarres en UEFI, activer Secure Boot, ça se comprend. Bon, après, je me doute que sur certains systèmes Linux qui n'ont pas les clés qui vont bien pour Secure Boot, c'est un peu casse-pied. Mais en dehors de ça. Bon, pour l'instant, je vais y aller en mode BIOS, on verra bien. Ce qui est cool, c'est que là, du coup, maintenant, on a une image. On va copier le lien, et puis on va pouvoir commencer à faire joujou. Alors, on va revenir dans le Terraform. Et ce qu'on va faire... Ce
Je suis fainéant. J'avais fait comment dans mon volume.tf? J'avais juste fait des ressources. Ok. Donc on va faire pareil. Allez. Volume.tf. Tac, sauf qu'on va l'appeler Alpine. Hop. On enlève Fedora et on met Alpine. Ou Alpine, selon comment vous le prononcez. Il m'arrive de passer de l'un à l'autre de façon un peu... de façon... inopinée. Par contre, variable.tf, et de fait, il va me falloir... voilà, on va faire ça. Hop. On disait BIOS Cloud Init. Copier le lien. Voilà. Ça, c'est bon. Une fois que ça, c'est bon, ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va pouvoir commencer à créer notre... J'ai mis quoi dans le main.tf sur ce truc-là? Ouais, j'ai mis que ça. Et là-dedans, j'avais fait... J'avais fait des choses. J'avais mis une ressource avec un volume. Et que j'avais... Ok. Donc ça, je peux le reprendre. On va se faire un... alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire homelab... homelab-out.tf. Et en fait, libvirt-volume, resource... homelab out et le name, parce que la machine va s'appeler homelab-out, voilà, et ce sera pas Fedora, ce sera Alpine. Hop, donc ça déjà, si je fais un Terraform plan, normalement il doit me dire, je vais vouloir créer, voilà, je vais vouloir aller chercher un premier volume en récupérant l'image, et ensuite je vais créer un fichier Qcode 2 basé sur ça. Jusque là, on est pas mal. Mais il va falloir ensuite créer la VM. Donc, on va aller chercher notre ressource. Voilà. Et rajoute ça, on va changer un peu tout ça. Donc le domain libvirt. J'ai dit qu'on l'appelait homelab-out. Le nom, c'est homelab-out. 512 mégas, un VCPU, tac, tac. Ça, on verra après. Hop, network name. Alors, de toute façon, il y aura deux interfaces réseau. Et la deuxième va aller dans homelab main. Par contre, la première, ce que je voudrais, c'est que ce soit une je voudrais que l'interface réseau soit... network interface, network ID, tac, tac, tac.
Voilà, MacVetap. Ah bah parfait. Donc MacVetap égale ETH0. Ok. Network Interface. Network Interface. Donc ici, on lui dit MacVetap égale ETH0. A priori, ça devrait être comme ça. Console, graphics, ok, et le disque, forcément. Le volume, on a dit qu'il s'appelait HomeLab out underscore vol. Hop, donc ici, oups là, dégage. Voilà, donc, on reprend. Je crée un domaine libvirt, donc une VM, qui va s'appeler homelab-out. Elle va avoir 512 mégas de RAM, elle va avoir un vCPU qui sera en mode host pass-through, elle va avoir deux interfaces réseau, une première qui sera en MacVTAP, la deuxième qui sera dans le réseau qu'on a créé, dans le sous-réseau virtuel, homelab main. Elle a quelques informations pour sa console. On va mettre à la fois du virtio et de la série. Et en termes de graphique, on peut utiliser le protocole Spice. Cette VM, elle a un disque. Ce disque, il a pour identifiant homelab out underscore vol.id, lequel correspond à notre homelab vol. Et qui va correspondre donc au nom du fichier homelabout.qcode2. Je crois qu'on est bon dans un premier temps. Et si je fais ça, et je fais un terraform plan, est-ce qu'il me fait des chocs à pic? A priori, il va m'ajouter des choses. Alors on va faire un apply, et puis on va voir ce que ça donne. Yes. Et pendant qu'il nous fait ça, on va aller ici sur la machine HomeLab, on va passer route, on va aller dans var lib libvirt. Et alors pour le moment, on a dans les images, on a un fichier alpineimage.qcode2. Donc ça c'est cool. Et ensuite, si je fais un virsh list, moins all, pour l'instant il m'a rien créé, donc il a dû... Ok, il est en train de créer les choses. Et il s'est planté. Qu'est-ce qui s'est passé? Unable to get index for interface ETH0 no such device. Ah. Donc il me manque des trucs. Peut-être qu'il faut que je lui crée une interface réseau. ETH0. Alors peut-être que ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est on va mettre ça en commentaire et déjà on va essayer de démarrer la VM sur le HomeLab main. On va voir ce que ça donne. Non plus. Voilà, Terraform Destroy. Hein. Bon, c'est un peu dommage, du coup il va me retélécharger l'image. Que là, si je reviens ici, que je suis un petit tri moins grand A, voilà, il m'a dégagé tout ça. Donc, allez, apply, tu me refais la totale, il va recréer de fait le réseau. Donc, j'ai une première image. J'ai un HomeLab out qui est shut off. Juste une alpineimage.qcode2.
Il n'a pas encore créé la deuxième image. Ça m'embête un peu. Allez, allez, Terraform, on avance. Ah, voilà, il m'a fait le Homelab out, c'était le temps de copie. Sauf que ensuite, il fail. Already exist with... Ah. Ah, bah alors, destroy. On va voir si j'ai pas des bêtises qui traînent à cause de l'ancien... Ok. Et effectivement, elle existe. Alors, dans ce cas-là, virsh undefine homelab out. Voilà. Et là, j'ai plus rien. Ok. Allez, c'est reparti. Ok, donc il a recréé le réseau. Jusque-là, tout va bien. Et là, il commence à faire les images. Voilà. Et pour l'instant... Voilà, les réseaux sont là. La VM, toujours pas. Il est en train, normalement, de copier ça pour avoir le Homelab out. Alors, à noter que, pour l'instant, c'est dans Images, mais j'aimerais bien le dégager, dans le mettre dans Boot, après. Plus tard. Ok, là, a priori, on est pas mal. Voilà, j'ai un Homelab out running. Si je vais regarder sur... Hop, t'es où toi, Virt Manager? T'es là. Vous voyez, j'ai une VM qui tourne. Je peux faire double-clic. Hop. Est-ce que je peux faire un petit scale display always et vous faire un petit élargissement de la fenêtre. Hop, voilà. Alors, on voit pas grand-chose pour l'instant. Il y a juste écrit loading VM Linux Virt et loading initramfs Virt. Et les deux sont OK. C'est juste qu'il a chargé... Il a chargé le noyau et l'initramfs. Ce que je peux faire, est-ce que je peux faire une vue en console série? Est-ce qu'il m'affiche un truc? Ouais, il m'affiche un truc. Alors forcément, là, j'ai rien pour me loguer. Je sais pas du tout. Mais la machine a démarré. La machine a démarré. Tiens, et on a un kernel 6.6. Marrant. Donc, je vais pouvoir refermer ça. Je vais pouvoir me refaire un petit Terraform Destroy. Et donc là, déjà, la bonne nouvelle, c'est que j'ai une première VM qui pop grâce à une image qu'on a créée, enfin qu'on a récupérée sur Internet directement chez Alpine. Et on arrive à la brancher, a priori. Enfin, alors, j'aurais peut-être pu essayer de faire un ping ou de regarder s'il n'y avait pas un bail DHCP qui avait été attribué. Mais bon, ça n'a pas chouiné au niveau réseau. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est que la machine ait deux interfaces réseau. Et a priori, cette config-là ne suffit pas. Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas? Ah, c'est parce qu'il faut que je lui indique sur quel network ID. Sauf que le truc, c'est que le network ID... Je vais être un peu embêté. Parce que moi, je veux la mettre en... Je veux la mettre en Mac VTAP. Les paquets de cette... Que le... C'est... Il faudrait un... Capable Bridge. Exemple d'une interface Mac VTAP. Ici, je fais Terraform
Ils virent Mac VTAP. Qu'est-ce que le grand internet convivial nous donne? Il faut utiliser DuckDuckGo. Bon bah ça c'est le... Alors, qu'est-ce qui t'arrivait toi? T'as fait quoi? Tu as créé un domain, tu lui as dit network interface. Ah, il faut lui donner une adresse IP. Ok. Ah, il faut lui... D'accord, c'est... Ah oui, c'est là. C'est l'adresse... Enfin, c'est l'interface réseau de l'hyperviseur. Donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est pas ETH0 sur laquelle il faut que je fasse un Mac VTAP. Mais c'est ENP4S0F0. Hop. Voilà. Et ensuite, on va voir s'il lui faut lui donner une adresse. Hop. Mais on verra si c'est obligatoire. Et dans le doute, hop, je vais créer ça. Hop. 35, hop. Mais déjà on va tenter comme ça. Donc, on va regarder quand même avant qu'il... Donc, il nous crée une ressource. Ok. La console, le CPU, le disque, graphics, network interface. La première, elle est là. Ok, et la deuxième, elle est là. Et ensuite, le net. Le libvirtnet, ok. Le volume, ok. Et ben, allons-y, yes. C'est parti. Here goes nothing. Alors, si je fais un virsh list, moi, mall, pour l'instant, il n'y a rien. Si je fais un net-list, normalement, il m'a créé, voilà, le homelab main. Maintenant, si je fais un petit tri, moins grand A, je suis dans varlib-libvirt, on a... le alpine image.qco qui est récupéré. Là, il est en train de copier l'image. Ok, donc a priori, il l'a faite. Voilà. Donc j'ai bien mes deux fichiers. Ensuite... si je fais un petit virsh list, j'ai un homelab out running. Ça, c'est cool. Et si maintenant, je fais un petit virsh dump XML de homelab out, j'ai des trucs sympas. Est-ce que j'ai installé bat là-dessus? Ouais, j'ai bat. Donc. Voilà. Alors. Donc, pour le moment, effectivement, qu'est-ce qu'on a? On a un homelab A1, ça c'est bon. On a une première en Mac VTAP. Net 0, ça c'est cool. Et on en a une deuxième. Donc ça, c'est cool aussi. Mais pour le moment, comment est-ce que je pourrais voir virsh help grep net. Alors. Ah, ben voilà, net DHCP lise. Il lui faut network. Sera du coup homelab main. Ok, pour l'instant il n'y a rien. Si ça se trouve, en fait, les interfaces ne montent pas côté Alpine parce que bah, on a zéro configuration. Mais en tout cas, la VM démarre. Ça on l'a vu, la VM démarre. Si je remets en console serial, hop, là j'ai des trucs. La machine s'appelle host-004. Ça veut dire qu'il a eu une IP sur le DHCP de ma box fibre.
Donc ça, c'est bon à savoir. La première interface est montée, la deuxième, pas forcément. Mais on voit quand même, voilà, deux interfaces réseau. Ok, ça, c'est très cool. Ça, c'est très cool. On avance. On avance, mine de rien. Pas aussi vite que j'aurais espéré, mais on avance. Jusque-là, tout va bien. Donc, je vais tout redétruire. Et maintenant, il va falloir, s'occuper de la partie Cloud Init, en fait. Alors, la partie Cloud Init, c'est un petit peu joyeux. Il va falloir, en fait, créer une... en fait, on va créer un fichier de conf. Ça, c'est le classique pour Cloud Init. On crée notre fichier de conf. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que via Terraform, en fait, et le provider libvirt, il va y avoir création d'une image ISO qui va contenir le fichier Cloud Init qu'on a créé. Et ça va aller, ça va être créé sur le file system de l'hyperviseur et ça va être donné à la VM à son démarrage. Et ça va être monté par la VM. Et normalement, Cloud Init, au démarrage de la VM, va pouvoir accéder à ce fichier et donc va ensuite le traiter et donc faire les confs qui nous intéressent. Alors, on va tenter notre chance. On va commencer déjà par aller récupérer un fichier de conf Cloud Init et le modifier pour nos besoins. Et en fait, notre fichier de config Cloud Init, en fait, il est composé de deux fichiers. On a un metadata et on a un user data. Le metadata, c'est vraiment pour la partie les noms. Donc, allez, j'ai un Cloud Init là-dedans. Ok, on va appeler la machine homelab-out. Meta-data. Oh, remarque, vim-p. Meta-data et user-data. Paf, allons-y. Metadata. Donc, ce ne sera pas ISP1VPS1. Mais homelab-out. Voilà. Et le user-data, c'est là où ça va devenir... ça va devenir sympa. Hop, pardon pour ça. Hop là. Et on va pouvoir jeter un œil à ce que j'avais fait il y a un petit bout de temps déjà. Alors, ah oui, j'avais créé une clé privée dans ce truc-là, ça c'est vrai. Ah oui, parce que ça c'était la machine que j'utilisais pour balancer du Ansible sur le reste du lab. C'est vrai. Ok. Allez, on va commencer avec ça déjà. Oui, oui, paste anyway. Allez, hop, voilà. Donc, le FQDN. Hop. On a dit homelab-out.homelab.home.arpa. Tac, ça c'est bon, la clé pour s'y connecter, on va refaire la SSH, mais on va prendre, .ssh, authorize keys, on va utiliser, hop, celle-là. Voilà. Le sudo, il va être bien en mode open bar. Ça, pour l'instant, on s'en fiche. La swappiness, si, ouais, on va la rajouter, la swappiness. Donc, write files. Je devrais peut-être commencer petit, mais il se pourrait que... je sois optimiste.
Ça, c'est des trucs de autre chose. Et les packages. Les packages. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Hein. C'est des fois qu'il y a des packages. Faut que je fasse comment? Comme ça, et que j'en fasse un par ligne. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer en, on va dire bash déjà. Voire même en fait bash completion. Je crois que j'ai bash completion sous Alpine. Et on va mettre AirSync, hein, juste pour voir. Et puis on verra ce que ça donne. Et on verra comment. Donc normalement, au passage, j'en profite pour vous signaler que je mets un mot de passe à mon compte. Donc, en gros, la conf elle dit quoi? Que le FQDN de la machine, ça va être homelabout.homelab.home.arpa. Cloudinit va créer un utilisateur qui s'appelle Nils. Avec un UID et un GID qui sont fixés. Hey, salut Bilouret, ça faisait longtemps. Bonne année à toi. Avec un groupe primaire Nils, qui normalement du coup aura l'ID. Il va aller dans les groupes users et will. Le mot de passe n'est pas loqué. Le mot de passe en texte clair, c'est password. Mais vous connaissez normalement cette chaîne. Vous savez que je mets password en clair un peu partout sur tout ce qui est lab. On va quand même essayer de se connecter en SSH avec une clé un peu solide. Alors, en fait, Ougrunios, alors, tu as complètement raison. Mais tu remarqueras que ici, là, à cet endroit-là, je ne mets que une clé publique. La raison pour laquelle la conf source, il y avait une clé privée. Qui n'est pas une clé perso, c'est pour ça que j'ai aucune scrupule à vous la montrer. En fait, c'est parce que j'avais généré un couple clé privée clé publique, logique. Et en fait, ça c'était la clé privée qui venait sur cette machine, qui était une sorte de bastion. Et je mettais la clé publique sur les autres machines via Cloudinit, sur les autres machines de l'ancien lab. Et ça permettait en fait ce que je faisais à la fin, je crois, sur cette machine là. Voilà, je faisais un git clone du repo la base code et ensuite je pouvais avec Ansible en me connectant sur cette machine créée je pouvais lancer un Ansible playbook et ça partait et j'avais pas à me prendre la tête. Maintenant tu as complètement raison, coller une clé privée comme ça dans Cloudinit c'est pas la bonne chose à faire. Ça entre guillemets en prod c'est non. Niette, bien sûr que non. Mais l'idée, à l'époque, c'était... Bah, en fait, non plus, ça n'a pas plus de sens, parce que en fait, là, la clé privée, elle est en clair dans un repo. Parce que le repo, en plus, il est public. Donc c'est bien pour ça que je précise que c'est une clé de test pour un environnement de lab. Et la blague, c'est que je me suis fait, entre guillemets, alors je vais pas dire houspiller, mais il y a une société... qui scanne les repos GitHub publics pour justement chercher des trucs de type clé privée, mot de passe en clair dans les repos publics et qui via GitHub m'a contacté et a dit au fait ça c'est pas top, fais gaffe, tu vas te faire parce qu'en plus il y a des gens qui des fois laissent traîner dans leur repo Git notamment des clés d'accès d'API à des services type AWS. Donc, bien entendu, il ne faut pas le faire. Mais oui, effectivement, l'utilité dans ce cas de figure était réelle. L'idée, c'était vraiment d'aller en mode full auto. Automatique, vas-y, c'est j'appuie sur entrée et j'attends que ça passe en buvant un verre. Tiens, d'ailleurs, il se fait soif. Ah, et au cas où, c'est de l'eau, hein, bien entendu. Bref, toujours est-il que déjà on a un premier fichier de conf Cloudinit qui devrait être déjà relativement complet. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir retourner dans la partie Terraform pour aller générer notre binu. Allons-y, homelab out. Donc, je reprends, hop, je fais comme tout à l'heure, hein, je reprends le code de l'ancien lab.
Et j'avais fait ISP1, tiens, allez, hop. Non, ouais, ISP1 compute, allez hop. Donc, j'avais créé normalement un volume, justement, voilà. Hop, j'avais créé un volume. J'avais créé un volume pour mon cloud init. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rajouter avec les volumes ici. Donc, on va l'appeler homelab out underscore cinit. Hop, et on va l'appeler ici homelab out. out-common-init.iso et normalement var bootpool, ok, et ici il faut que je lui dise homelab out, je crois homelab out, non, faut que je lui mette homelab tiret out. D'ailleurs je me demande si je devrais pas pouvoir mettre bon, on verra bien. On va voir si c'est le bon. Si c'est pas le bon, je le changerai. Remarque ici, ça passe. Donc en fait, ce sera beaucoup plus simple si je mets homelab-out partout, en fait. Voilà. Comme ça, au moins, c'est... C'est cohérent, c'est la même chose partout. Donc déjà, ça on a. Et je crois qu'en fait, il faut rajouter... Il faut rajouter bah, les fichiers. Voilà, les fichiers de template. Parce que là, en fait, le premier, là, le truc qu'on a fait, c'est juste le volume. Donc, je rajoute... Et on va dire, de toute façon c'est très simple, hein, hop, ISP1 VPS1, non, allez, hop, on a dit ISP1 VPS1 qu'on remplace par homelab-out. Voilà. Tac. Donc ça devrait être pas mal. Maintenant, si je fais un Terraform plan. Il me dit qu'il est pas content. Ah bah oui, il faut refaire le truc parce que on rajoute les templates. Ouais. Ok. Donc, on va regarder un petit peu le plan. Donc, il va faire notre cloud init. Tac, tac, tac. Il nous balance tout ça. Il nous fait... Le domaine, donc la VM. Ça, c'est cool. Le réseau. Et là, il nous fait les volumes. Ok. Alors, tant qu'à faire. Image pool default. Storage, j'ai juste... Faudra que je crée, le boot pool, mais dans l'immédiat. Apply. Allez. On est reparti. Si je me mets ici, si je fais un sudo vir sh net-list, on a le réseau qui a été créé. Var libvirt. On a l'image Alpine qui a été téléchargée. Et si je fais un petit sudo vir sh list --all, pour l'instant on n'a rien. Puisqu'il est en train encore de créer. En fait, ça va très vite une fois que l'image est créée. Vraiment, pour démarrer l'image, vu qu'Alpine Linux est ultra léger, c'est vrai que ça va assez vite. Mais là, je pense que ça va aller moins vite parce que forcément. Ah, tiens, il ne trouve pas. D'accord. Il trouve pas le... Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un destroy. Histoire que ce soit propre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'embêter.
je vais utiliser le même pool pour les deux dans l'immédiat. Et on verra pour créer le boot pool directement. Parce que j'aime bien en fait séparer d'avoir deux pools de storage sur sur libvirt pour avoir un où je mets les images ISO d'installation et les images disques source et un où il y a vraiment les images DVM, les images disques DVM. Pour le moment, tout est dans var lib libvirt images. Mais voilà, il les a recréés. Là, on est bon. Il est en train de copier l'image. Ah, il est en train de créer l'image Cloud Init. Ok. Donc là, vous voyez, on a une image de base Alpine qui vient de chez des téléchargements d'Alpine Linux. Là, on a l'image disque qu'on avait vu tout à l'heure. Et maintenant, on a le fichier d'ISO. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que ça boot ? Il m'a dit Apply Complete. Donc déjà, du point de vue de Terraform, on est propre. J'ai ici une VM qui tourne. On va revenir ici, on va la regarder. On va faire ça, sudo vir sh list. On a une VM. Ok, si je fais un vir sh console... Hop. Est-ce qu'il nous affiche des choses sur la console? Ok, si je tente de me loguer... Est-ce que Cloud Init est peut-être pas encore passé? Si jamais je me connecte ici avec Spice, est-ce que j'ai des choses? Non. Après, est-ce qu'il a bien pris en compte? Cloud Init a bien pris en compte les trucs. Ça m'embête parce que du coup j'ai pas de visibilité. Comment ça se fait que j'ai pas de visibilité sur le parce que là de toute façon c'est très simple hein. Si je fais un contrôle ça comme ça et que ici je fais en vue et que j'utilise la console série, bah c'est la même chose ici hein. Si je reviens sur la console graphique et que je vous la scale un petit peu. Ah zut. Voilà. Vous voyez, tout ce qu'il y a pour l'instant, c'est un loading VM Linux. Donc ça m'embête un peu. Je peux peut-être faire. Peut-être aller regarder ma box pour voir quel IP il a pris. Le truc s'appelle host 4. Alors, si je tente de m'y connecter en SSH, qu'est-ce que ça donne? Il y a un SSH qui écoute. Oh, je suis logué! Ah non, c'est pas la bonne. Fichtre, c'est pas la bonne machine. Ah oui, host 6. Autant pour moi. Hop. Je me disais aussi que je trouvais l'IP un peu basse.
J'ai un SSH, mais il m'envoie bouler. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais de fait pouvoir vous montrer les choses. Hop là, je me suis trompé de... Allez, c'est pas grave, je quitte ça. 2, 3, hop, 4. Non, HomeLab, hop, voilà. On récupère le Tmux. Et si je me mets sur 5 et que je fais un petit SSH, moins i.ssh id ed, hop, et on va mettre du Tether Nils. Hein. Too many authentication failure. Ah, point .ssh, ssh config.d, stream.conf. On va l'appeler bah, HomeLab out. Pour l'instant, il est en 201. Voilà. Et en fait, hein, ce que je voudrais, c'est regarder dans le... où j'ai le... fichtre. Je l'ai pas. Il y a une option à la con pour lui dire de ne faire que la clé. C'est déjà fait mordre par ça plusieurs fois sur la chaîne et je n'ai jamais mémorisé l'option. Ah oui, identities only. Voilà. Allez. Hop. Ah. Non. Non, 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 ça veut pas. Donc il l'a peut-être pas pris en compte, le fichier CloudInit. Si jamais je vais voir et que je fais un Alpine Linux Cloud-init, peut-être que le fichier doit s'appeler autrement. Peut-être Alpine CloudInit. Hop. Non. Ah oui, ça c'est un repo. Ça c'est les images. Est-ce qu'il y a de la doc quelque part? C'est sympa ça. Ah mais non, mais là l'idée c'est de créer un... Est-ce qu'il m'a du coup créé un... Est-ce qu'on a bien un... Ah bah oui, ça va, ça risque pas de marcher en fait. Il manque un truc. Il manque un truc. Alors je vais vous dire. Hop, on va le montrer. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Ici, en fait, si je fais un... Est-ce que je... Alors, ce sera pas... Non, ce sera pas ça. Ce sera dump XML de la machine, bah, HomeLab out. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Donc, on a créé un fichier ISO. Et si je le recherche, ce fichier, il est nulle part indiqué. Il est indiqué nulle part. Donc forcément que CloudInit ne va pas le prendre en compte parce qu'il n'est pas appliqué. Ce qui veut dire que si je reviens ici et que je cherche ISPVPS1. Oui, bah oui, c'est ça, cette ligne-là, que j'ai dû laisser commenter dans mon truc. Non, hop, homelabout.tf. Et voilà, je l'avais laissé commenter parce que je m'étais dit, on verra après. Et maintenant, nous sommes après. Voilà. Et sauf que, bien entendu, il faut changer ici le nom et l'appeler HomeLab out. D'ailleurs, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va redestroy, en fait. Hop. On va destroy. Voilà, comme ça, on va refaire les choses proprement. Et on terminera sur ça, je pense.
Ok, il a détruit. Hop, on va éditer ça. Parce qu'en plus, je m'étais dit, il faut que tous les Home Lab Out soient avec un tiret. Et bien entendu, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Donc, je vais le faire. Tac. Ici. Et là. C'est pour ça que j'ai voulu destroy, en fait. C'est à cause du tiret et du pas tiret. Je me suis dit... dans le doute. Hop, voilà. Donc là, on devrait être bon. C'est reparti. On apply. Yes. Hop. Et on va attendre gentiment qu'il pop la VM. Et j'espère que là, on verra qu'il y a un lecteur CD dans la machine. Et à partir de là, les choses intéressantes vont pouvoir commencer. Enfin, intéressantes. J'espère, en tout cas, que c'est déjà intéressant pour vous. Je sais qu'on a déjà vu ce genre de choses-là sur la chaîne, mais peut-être pour les nouvelles et les nouveaux qui nous ont rejoints, c'est peut-être intéressant à voir. Ok. Donc, on a notre VM. Si je double-clique dessus et que je vais regarder les attributs, on a un lecteur CD-ROM. Alors, on a un lecteur CD-ROM IDE. Les interfaces réseau sont en Virtaio, mais en plus ce qui m'embête c'est que la machine elle est en i440FX. Je pense que je vais vouloir essayer de changer ça et de la mettre en Q35. Et pareil pour le CD, faudra que je vois s'il n'y a pas moyen de le forcer en serial ATA. Est-ce que si je fais ça et que je reviens ici, bon là il m'affiche rien. Si je reviens sur le home lab et que je fais un sudo hop console hop, est-ce que j'ai des choses qui s'affichent? Ce serait bien gentil. J'imagine en plus que la VM a dû changer d'IP au niveau de ma box. Je serais pas surpris que... Ah non, la machine s'appelle... Oh, la machine a changé de nom. Donc ça c'est plutôt bon signe. C'est même très bon signe, ça veut dire que le fichier de conf Cloud Init a bien été pris en compte. Donc je dois pouvoir faire NILS password et je suis connecté sur la bécane IPA et je vais pouvoir me connecter. Je vais essayer de me connecter en SSH et voir ce que ça donne. Yes. Et je suis connecté en SSH. Sudo apk update. Ah, j'ai pas de sudo. Ah non, il faut utiliser doaz. Doaz. Peut-être moins i, ça marcherait. Non, il reconnaît pas. Doaz. Commande. Je sais pas moi, doaz bash. Hop, voilà. Ça c'est cool. Si je fais un who am I, je suis root, parfait. APK update, la machine sort sur internet. APK list, je crois que c'est moment installed. Ah, il y a quand même du package hein, déjà installé. Dis donc. Oui, alors un peu trop de S à l'S. Voilà. J'ai. Ah, bah oui, c'est parce que ouais, forcément, il installe tout pour Cloud Init Core Utils. Alors, je risque de réinstaller sudo, je pense, plus par habitude qu'autre chose. Mais en tout cas, y a pas mal de choses qui sont déjà présentes, c'est cool. Ah, ça c'est cool. Ça, je suis content. Là, au moins, comme ça, déjà, on démarre sur... Ouais, bon, par contre, là, l'image est vraiment, vraiment de faible taille. Il faudra voir s'il y a moyen de... Parce que là, en gros, on a un gig, quoi. Voilà, le disque fait un giga. Alors, vous me direz, vu l'objectif de la bécane, bon, ça va. Si je fais un 6CTL moins A, ok, et que je greppe la swappiness, est à 60. Donc, ça n'a pas été pris en compte, le fichier etc 6CTL.D. J'ai un 98 swappiness.conf. Ok, et si je fais un readme,
Il dit que... Ah oui, mais non, forcément, il vient de démarrer, donc je vais pas fait les commandes pour qu'il l'applique. Donc le fichier est là, mais ça n'a pas été appliqué. Ok, c'est normal, c'est normal. En tout cas, déjà, j'ai la base, et ça, c'est cool. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, on est là, git status, on va pouvoir... Hop, voilà, on peut faire un petit git add du terraform variable de cloudinit, de terraform volume et de terraform homelab out. Et git, on va commiter ça. Et en message de commit, on va dire add terraform déjà. Terraform. Ah tiens, j'aurais dû faire le truc cloudin. Ouais, bon. Bah dans ce cas-là, add first VM future router. Tac. Ça, c'est vu. Git push. Et c'est dispo sur le repo. Alors, on va retourner un instant sur GitHub et on terminera sur ça. Attention, faute. Oh là ! Ah oui. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire un git commit moins moins amend. Hop. Et add first VM. Et je vais faire un truc qui est moche. C'est que, de fait, je vais réécrire l'historique git push moins moins force. Voilà. Et si je vous montre sur GitHub... On a bien create first network, ça c'est cool. Non, ça c'était avant. Hop. Et add first VM future router. Ok. Donc ça c'est bon. Je vais pouvoir vous mettre d'ailleurs le. Pour la bonne cause. Bah ouais, mais merci Little Black. Hein. Merci. Vous avez le lien. Hop. Voilà. Vers ce premier jet. Moi j'en suis content pour le moment. J'en suis content. J'en suis tout content. Bon, c'est un peu dommage, j'ai perdu du temps sur un truc à la con, la config OpenSSH sur l'hyperviseur. Mais c'est cool, au moins on a la première VM qui est dispo avec une conf de base qu'on va pouvoir, comment dire, sur laquelle on va pouvoir commencer à implémenter des choses, on va pouvoir itérer, et ça c'est chouette, ça c'est chouette. On va pouvoir préparer les premières confs, essayer de se connecter à la machine via Ansible et commencer à déployer des configs. L'idée, c'est que pour l'instant, on va essayer de mettre genre le minimum syndical sur via Cloudinit. Et puis, une fois que la partie Cloudinit est propre, on va pouvoir passer sur Ansible. À mon avis, dimanche prochain, on fait du Ansible, ça c'est sûr. C'est... Marqué dans vos tablettes, dimanche prochain, Ansible avec Nils. Voili voilou, j'espère que ce live vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h. Si normalement... ouais, je crois que normalement, c'est bon. Le stream de dimanche prochain a toujours lieu. Donc, je stream pour le moment uniquement une fois par semaine, les dimanches de 18h à 20h et quelques. Je de temps en temps, quand j'ai de la dispo, je fais certains autres jours. Comme là, cette semaine, j'ai fait jeudi. Mais ça n'est plus systématique comme avant. Pour le moment, j'ai toujours pas de nouvelles vidéos à vous proposer sur la chaîne YouTube. Néanmoins, n'hésitez pas à vous y abonner pour voir quand je posterai des lives dessus. Voili, voilou. Je n'ai pas vu passer notre ami Adrien de Linux Tricks. Je suis un peu embêté. Qu'est-ce qu'il a, le pauvre ? Je le vois pas en live non plus. Ce qui veut dire que pour aller raider quelqu'un, ça va être un petit peu... Ça va être un petit peu... Est-ce qu'on aurait des gens sympas? Je sais pas si vous avez des gens à aller raider. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que aujourd'hui, il n'y a pas eu... ça fait quelque temps que genre il n'y a pas Chaos qui passe.
Bon, bah écoutez, une fois n'est pas coutume, hein, on fera pas de raid pour partir. Du coup, bah, je vous souhaite à tous et à tous une bonne fin, une bonne soirée, un bon dimanche soir. Je vous souhaite une bonne semaine, et puis bah, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Ciao, ciao !